C'était voulu de ta part d'avoir tiré le numéro 69 avec un fils de japonaise du soir? Ah non, j'ai pas fait exprès. Jean-François, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce poulain qui s'est bien qualifié? C'est un poulain qui trotte, il est sérieux en plus. La suite des événements avec lui, c'est un poulain imposant? Oui, il va aller se reposer et on verra l'année prochaine, on débutera qu'au printemps. Parmi tes selles, tu l'estimes à quel niveau? Il a beaucoup de vitesse, mais il a besoin de beaucoup de poids, donc il manque de force. Donc c'est pour ça qu'on va le laisser tranquille, mais c'est un poulain qui, je pense, qui a un peu d'avenir. Ouais, en plus, il est remarquablement né, Rolling Derry Pré, japonaise du soir, sa mère, elle trottait. Hein. Bah oui, sa mère était bonne, elle a produit en plus le premier, c'était un thé qui a pris presque 100 000. Et moi, j'ai eu le second, Very First, qui est un bon cheval aussi, qui trotte. Donc c'est pour ça que j'ai récupéré, et non, la mère produit bien. Jérôme, une pouliche qui a visiblement du potentiel. Ah oui, non, mais elle sait aller vite. Ouais, peut-être même trop vite par moment, elle a fait une petite faute là, après les 500. Bah ouais, je sais pas pourquoi, d'habitude on les a pas, les poteaux, parce qu'ils ont fait une nouvelle entrée pour aller sur la piste du milieu. Elle les a jamais vus, les poteaux. Là, elle les a vus, elle s'est reprise un peu, elle m'a fait deux foulées, mais bon, il y avait de la marge. Ouais, 18-7, c'est bien. Ah ouais, et puis j'ai démarré, mais j'étais facile toute la route. Comparé aux autres pouliches qu'on a pu voir les semaines précédentes, on l'estime comment cette fille de Soul of Liger? Bah, je pense qu'elle est bonne. Après, faut que tout se passe bien. Je pense que là, elle va peut-être aller un petit peu au repos, décompresser un petit peu. Après, c'est Philippe qui va décider. Arnaud, il est plaisant ce poulain. Oui, c'est un poulain qui trotte. Il était très bête à partir, là, à la maison, il ne le fait pas, mais c'est un poulain qui trotte. Et il a du chic en plus. Oui, il est très beau poulain, il a beaucoup de vitesse. Là, il est encore ferré beaucoup trop lourd, il faut qu'on l'allège, mais c'est bien. Dans l'essai, est-ce qu'on peut dire que tu es relativement bien armé? Oui, on a quelques poulains qui trottent, il fait partie des bons poulains normalement. Maintenant, il va falloir qu'il se bonifie en partir, parce qu'aujourd'hui, il était pas sympa. On va le voir l'année prochaine? Peut-être à Cannes cet hiver, je pense que c'est un de mes bons éléments pour Cannes. Jackie Lutfi-Colgini détient une bonne pouliche avec elle là. Ouais, elle est pas mal. Ouais. Elle a fait 500 mètres très impressionnant pour finir. Ouais, elle a fait 525 pour finir, il m'a dit Franck. C'est une pouliche que tu connais un petit peu, que tu as l'occasion de voir travailler. Elle vient d'arriver il y a 8 jours là, hein, l'air pour courir cet hiver. Quoi. On dit quoi à Lutfi alors qu'il a une bonne pouliche entre les mains? Ouais, elle est pas mal. Hein. Pas une craque, mais c'est pas mal. Peut gagner d'entrée en province. Quoi.
Franck, la pouliche tout à l'heure de Ludwig Colgini, elle a dû te faire belle impression. Ouais, ouais, non, c'est une jument qui a du métier. Je pense qu'il faudra la suivre en débutant. Elle avait fait ça toute seule, dernier 500 mètres 15 dans mon chrono. Bonne augure. Oui, quand t'as ouvert les doigts là au 500, c'était assez impressionnant. Elle se bougeait. Ouais, et puis elle le fait toute seule, elle est très gentille. Je pense qu'elle n'est pas vraiment venue, mais bon, elle va que progresser là-dessus. Non, c'est une pouliche à suivre. Tu as drivé déjà des chevaux en compétition dans l'essai. Elle, à ton avis, elle a la pointure tout de suite de courir en région parisienne ou c'est trop tôt pour le dire? Bon, moi, je pense qu'ils vont aller courir une petite course en province, déjà voir comment elle fait en province. Mais bon, il faut qu'elle s'endurcisse un petit peu là-dessus. Paris, c'est déjà des chevaux un peu endurcis. Hein, donc, non, mais il faudra la revoir par la suite.